Salam alaikum, Mazel Flaoun. Bonjour. L'Algérie a un président de la République. La première institution du pays, personnifiée en un homme. Cet homme a été élu pour la quatrième fois après avoir modifié la constitution du pays qui limitait le nombre de mandats à deux. Cette révision constitutionnelle en question, qui devait être soumise à référendum selon la promesse publique de ce même président, dans un discours à la nation, a finalement été approuvé dans une sorte de discrétion honteuse par un parlement aux ordres qui vote tout ce que le régime lui demande de voter. Après ce viol flagrant de la Constitution, Bouteflika a donc été élu pour la troisième fois. Mais il allait tomber tout aussitôt gravement malade. Un cancer de l'estomac, mais surtout, ce qu'on n'a jamais dit suffisamment, un premier AVC en 2005, qui allait gravement l'affecter. Mais il gardait des moments de lucidité qui lui ont permis, un tant soit peu, de laisser penser qu'il était toujours aux commandes. Alors qu'en réalité, et progressivement, c'était son frère, et néanmoins conseiller, qui allait prendre la direction des affaires, jusqu'à s'installer dans le bureau du président, jusqu'à se substituer totalement à lui, jusqu'à devenir le principal décideur. Celui qui nomme, qui dégomme, celui qui distribue la rente, qui est devenu le principal interlocuteur des puissances étrangères, qui a aggloméré autour de lui une équipe multitâche de généraux et d'hommes d'affaires aux dents longues, il réussira l'incroyable exploit de neutraliser l'organe tout-puissant qui avait la haute main sur toute la machinerie du régime, le fameux DRS qui détenait la réalité du pouvoir. L'histoire de cette ahurissante aventure, par ailleurs, n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais il ne fait pas de doute que des parties étrangères ont lourdement pesé sur ces événements qui ont bouleversé la structure même, la structure profonde du pouvoir, pour le faire passer de certaines mains à d'autres, sans que le peuple algérien se rende compte de quoi que ce soit. Vers la fin du troisième mandat, donc, le président eut une autre attaque, autrement plus grave que celle de 2005, qui allait, cette fois-ci, l'handicaper de façon gravissime. Sa réélection devenait vraiment problématique, y compris pour la puissance étrangère qui tire les ficelles. Une question se posa à tous ceux qui avaient donc laborieusement reconfigurer la baraque politique algérienne. Fallait-il se risquer à de vraies élections, avec de vrais candidats, et voir le pouvoir leur échapper, après l'avoir conquis de façon si extraordinaire? Les vrais maîtres du pays sont restés quasiment invisibles. Peu d'Algériens savent qui ils sont, c'est-à-dire Saïd Bouteflika, le général Gaïd Salah, soutenu par un large cercle d'une soixantaine de généraux du haut commandement et entouré d'une flopée de nouveaux riches à milliards de dollars. Peu d'Algériens savent que ces nouveaux maîtres du pays jouent une partition dont le chef d'orchestre est une certaine puissance étrangère qui s'est subrepticement installée aux commandes du pays. Ces nouveaux maîtres du jeu décidèrent donc, malgré tout, de faire rempiler le président Bouteflika pour un quatrième mandat. Presque personne parmi les analystes et les observateurs les plus avertis du régime algérien n'avait alors osé imaginer une telle outrance. Que ces gens pouvaient s'y risquer, surtout en ces temps d'extrême bouleversement. Personne ne pouvait croire que le président sortant, qui ne s'était pas exprimé pendant deux longues années, qui avait passé des mois dans les hôpitaux français, qui était dans une totale incapacité de faire une campagne électorale, de prononcer un discours de trois phrases, ou ne serait-ce que de coordonner deux idées, pouvait être présenté à des élections présidentielles. Mais cela a été fait. Des élections présidentielles où on l'a exposé un peu comme une marionnette sur une scène de spectacle. C'était totalement exclu pourtant, inimaginable, absolument dément que de l'envisager seulement. Pourtant, non seulement cela fut entrepris au pas de charge et dans un mépris écrasant pour la population, mais le nouveau régime poussa l'audace jusqu'à le faire élire avec un taux de république bananière.
alors que jamais depuis l'indépendance du pays, le taux d'abstentéisme et de boycott n'avait été aussi élevé. Ceci a pu passer juste parce que ce régime use de l'arme ô combien efficace de la corruption de masse, de l'anesthésie générale, parce que les caisses de l'État sont pleines, mais aussi parce qu'il dispose de forces dites de sécurité parmi les plus étoffées et relativement les mieux rémunérées du monde. Le Conseil constitutionnel à la tête duquel un fidèle client du régime avait été installé ne s'est donc pas autosaisi pour faire appliquer l'article 88 de la Constitution algérienne, pour faire déclarer l'état d'empêchement. Le même article reste pourtant d'une douloureuse actualité. Aujourd'hui, puisque l'état de santé du président ne s'est pas amélioré, puisqu'il est irréversible, voire appelé à s'aggraver, il est donc toujours d'actualité. Le président est totalement absent, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, il ne se déplace plus, quel que soit l'événement international. Toutes ses prérogatives protocolaires sont déléguées aux uns et aux autres. Lui, qui adorait se déplacer à l'international et qui, durant son premier mandat, avait battu le record mondial des déplacements d'un chef d'État à l'étranger, ne sort plus de son fauteuil roulant. Lui, qui adorait les discours fleuves, ponctués de harangues et de postillons, ne bredouille plus que quelques mots pour la circonstance, des mots qui lui sont dictés via une oreillette, phrase après phrase. La situation en est là, aujourd'hui. Et le plus hallucinant est que les Algériens semblent s'être résignés au fait accompli. Tout le monde sait que ce président n'est plus qu'une façade institutionnelle pour les vrais maîtres du pays, mais personne ne semble s'en offusquer désormais. La presse tire à longueur de colonne. Le président a fait ceci, il a décidé de cela, il a désigné un tel pour le remplacer, il a condamné l'agression de Reza, alors que tous les journalistes savent qu'il n'en est rien, que cet homme ne décide de plus rien, qu'il ne sait rien de ce qui se passe autour de lui, mais nous en sommes là. Le parti Gilles Jadid vient de secouer cette torpeur en rappelant que l'article 88 attend toujours d'être appliqué et qu'il n'est pas question de se rendre au fait accompli. Son président, Sulayem Jilali, est là, aujourd'hui avec nous, pour en parler, mais aussi Anwar Haddam, membre fondateur de l'ANC. Anwar Haddam, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Anwar Haddam, je vais vous demander de patienter petite minute. Nous allons regarder une petite vidéo de Bouteflika qui s'exprime, qui discute avec John Kerry. Comment allez-vous? Très bien, merci. Je suis ravi de vous voir. Comment vous faites pour trouver tant de dynamisme? Tout est très bien. Votre ministre des Affaires étrangères était incroyable. Madame Albright était venue. Madame Clinton est venue. Madame Cisneros est venue. Paul est venu. Oui, elle est venue. Well, I don't know about that, Mr. President. We just have a lot of things are happening, as you know, right now. It's a very, very busy time. Nous avons nos problèmes internes et il y a la situation internationale. Jusqu'à maintenant, il y a une situation qui n'est pas équilibrée. Which is not, it has no equilibrium. Nous donnons ce que nous avons. Vous êtes un peu plus parcimonieux. We are providing whatever you have, but on your side, you are not reciprocating 100% as we do. What would you like? What do you need? Que souhaiteriez-vous? What do we need to do more? De quoi avez-vous besoin? Que faudrait-il que nous fassions davantage de vous notre part? Vous avez des technologies. You have technologies. Mm-hmm. Et un enseignement. You have intelligence. Mm-hmm. Que nous n'avons pas. That we do not have. We're prepared to work on all of this. Nous sommes disposés à travailler sur tous ces dossiers. Mais un enseignement n'a de valeur s'il est fourni en long. En temps utile, en temps réel. What we would like to have is the intelligence data in real time, in useful time. Au Sahara. In the Sahara. Au Sahel. Mm-hmm. In the Sahel region. Si vous avez un renseignement maintenant, dans une heure, il n'est plus valable. Nous voulons travailler ensemble pour arriver à faire ce que vous voulez. Ça fait longtemps que vous le dites, monsieur le ministre. C'est la concrétisation qui a été difficile. Et quand yes, je reviens indeed. La prochaine fois, je vais visiter Tassili. Malheureusement,
Je dois vous dire aujourd'hui, j'aurai jamais une semaine, mais deux jours peut-être. Quand vous recevrez le prix Nobel de la paix? The day you will have the Nobel Prize Award. Nous souhaitons vivement. That we are looking forward for you, for you, for you, for you, for you, for you. Image. Oh, combien significatives. Pourtant, elles ont été soigneusement triées. C'est dire que les vrais maîtres du jeu n'ont pas trouvé mieux à nous montrer. C'est dire toute l'ampleur des dégâts. Il faut imaginer en effet que si le régime nous montre ces images, qu'il a pourtant sélectionnées comme les plus présentables, c'est que la réalité doit être bien pire. Mais regardons la presse d'aujourd'hui. El Watan, un article de Farouk Jouadi. Gilles Jadid veut destituer Bouteflika. Liberté. Un édito de Omar Ouali, intrigue de cour, liberté. Un article de Mohamed Mouloudj, il a estimé que Bouteflika a délégué illégalement plusieurs de ses prérogatives. Sofiane Gilali, l'application de l'article 88 est plus nécessaire que jamais. Anwar Haddam, quelle est votre position, votre attitude vis-à-vis de donc, cette outrance d'un président qui est très malade, avec un conseil constitutionnel qui refuse de s'auto-saisir. Merci pour cette invitation. Je vous en prie. Merci à vous. Moi, je suis d'accord qu'il est, il est grand temps d'appliquer l'article 88. Mais peut-être, en plus de Bouteflika, il faut destituer tout le pouvoir effectif en place à Alger. Parce que, comme vous l'avez bien dit dans votre introduction, ce qui s'est passé dans les dernières élections d'élections présidentielles, cela prouve clairement que, ça montre clairement, du moins pour nous, que le pouvoir en place à Alger, le signal qu'il a voulu donner aux Algériens et à la communauté internationale, c'est qu'on n'a pas besoin d'un président de la République. Absolument. Comme vous l'avez bien dit, et ça, situation très grave. C'est que c'est... Donc la question, il ne s'agit pas de Bouteflika, et si vous permettez, il faut bien comprendre que la question en Algérie, c'est comment se débarrasser de cette culture de coup d'État, de cette culture où un groupe... Parce que ce qui s'est passé depuis 1962, c'est que les clans au pouvoir ont toujours été... chacun à tour de rôle faisait un coup d'État contre l'autre groupe. Ce qui s'est passé en 91, en janvier 92, c'est que tous ces clans-là se sont tous rassemblés contre le choix du peuple. C'est pour ça qu'il y a la spécificité du coup d'État contre le peuple algérien en janvier 92. Et apparemment, avec l'avenue de Bouteflika, avec qu'il y a une certaine soi-disant stabilité, ces clans commencent encore, ils veulent reprendre encore cette culture de coup d'État. Chaque clan essaye de... Parce que le clan que vous avez appelé de Saïd Bouteflika, de Gaïd Salah, etc. Et actuellement, ce n'est pas eux exactement. C'est le système politique qui leur a permis de prendre en otage toutes les institutions de l'Algérie. Donc, nous sommes pour la destitution de Bouteflika. Nous sommes pour l'application de l'article 88. Mais il faut aller plus loin. Mais Anwar Haddam, avant de vous laisser continuer vous exprimer sur le sujet, normalement, il y a un article qui est très clair, je cite le premier alinéa. Lorsque le président de la République, pour cause de maladie grave et durable, se trouve dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonctions, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et après avoir vérifié la réalité de cet empêchement par tous les moyens appropriés, propose à l'unanimité au Parlement de déclarer l'état d'empêchement. Ça veut dire, normalement, le Conseil constitutionnel, la Constitution a prévu que personne ne le saisit. Il s'auto-saisit pour lui donner une liberté. Donc, normalement, ce n'est pas lui qui déclare. Il s'auto-saisit. Il désigne une commission médicale composée de professeurs en médecine qui examine, parce que tous les Algériens voient que cet homme est malade. Mais à la limite, le Conseil constitutionnel désigne une commission médicale pour examiner et après il entérine la procédure. Or, le Conseil constitutionnel, la tête duquel, il faut rappeler, Delcy a été nommé juste après l'AVC du président, le deuxième AVC, pour prendre leur disposition, refuse de s'auto-saisir.
C'est la question est là, si Anwar Eddin. Non, justement, si l'on rentre dans cette logique, on s'en sortira jamais, parce que ce même Conseil constitutionnel, vu la constitution existante maintenant, tous les pouvoirs sont accaparés par le président de la République. C'est lui qui nomme tout le monde. Oui. Donc c'est ça, les jeux sont faussés, entre guillemets, parce que pour nous la politique c'est pas un jeu, mais c'est une façon de parler. Oui. Ils sont faussés dès le début. C'est pour ça que nous appelons à l'ANC, nous appelons dans le mouvement pour la liberté et la justice sociale, qu'il y ait une nouvelle loi fondamentale, une nouvelle constitution. Elle ne vient pas, elle ne devrait pas être parachutée par en haut. Il faut justement qu'il y ait un consensus national pour le recouvrement de la souveraineté populaire. La Constitution, elle reflète le choix de la classe dirigeante, de ceux qui sont accaparés le pouvoir par la force. Restez avec nous, Anwar Eddin. Nous allons demander l'avis de Soufiane Gilali, que nous avons encore sollicité. Merci, Soufiane Gilali, de nous avoir rejoint. Vous êtes très sollicité par El Maghrebi à ces derniers temps. Alors, quelle est votre position? Vous venez de secouer le cocotier, hein? Vous venez de remettre la question sur la table au sujet de l'article 88. Dites-nous en plus. Oui. Bien tout d'abord, c'est toujours avec grand plaisir que j'interviens sur El Maghrebia. C'est l'un des rares canaux médiatiques qui nous permet de s'exprimer franchement et honnêtement. Merci. Après l'élection ou la pseudo-élection du 17 avril, où on nous a imposé un quatrième mandat avec un homme absolument incapable d'assumer ses fonctions, et finalement tout un clan derrière qui a pris en otage le pays et qui fait semblant de faire passer par les règles démocratiques ce mandat. Et après 100 jours, les Algériens maintenant s'aperçoivent de la même réalité. On n'a pas arrêté de le dire avant l'élection qu'une fois imposé, M. Bouteflika ira s'occuper de sa propre personne et abandonnera le pays. C'est exactement ce constat-là que j'ai voulu partager hier avec vos confrères de la presse algérienne, que le pays est abandonné. Durant le mois de Carême, du mois sacré de Ramadan, mais aussi durant l'Aïd et tous ces jours-ci, le pays est à volo. Nous avions eu l'occasion de rendre visite à plusieurs institutions, par exemple des hôpitaux, des services de pédiatrie, mais aussi de vieux, etc. Et le pays, partout où vous mettez les pieds, vous trouvez qu'il n'y a plus, pratiquement plus de responsables, il n'y a plus de sens de responsabilité. Il y a une prédation à ciel ouvert. Les gens s'empressent de remplir maintenant les poches pour se préparer à s'en aller. C'est un pays qui est en train d'être assassiné en direct. Vous avez tous suivi le conflit à Rabia qui est devenu de plus en plus grave. Monsieur Sellel nous disait qu'il allait mettre un guiton à Rabia juste après l'élection et qu'il réglera, il ne s'en ira de Rabia que lorsqu'il aura réglé le problème. Mais je crois que finalement, Monsieur Sellel n'a pas trouvé de guiton sur le marché. Il doit y avoir une pénurie ou il n'a pas assez d'argent peut-être pour l'acheter. Donc on se propose peut-être de faire une quête et de lui acheter le guitoun pour qu'il aille régler le problème de Rabia. Il est intolérable de voir nos concitoyens dans cette situation effroyable. Et en réalité, ce n'est même pas M. Sellel qu'on doit interpeller, c'est le président de la République. Où est-il? Où êtes-vous, M. Bouteflika? M. Abdelaziz Bouteflika, que faites-vous à la tête de l'État? Que faites-vous avec le salaire que vous donnent les Algériens? Vous devriez vous déclarer invalide et aller à la CNAS. Peut-être qu'ils vous rembourseront les frais. C'est un scandale et c'est insensé. Donc, voyez, le pays est au bord du gouffre et la classe politique est endormie. Ils acceptent le fait accompli. Voilà, c'est un pouvoir qui a pris le pays en otage. Ils ont fait ce qu'ils veulent. Il faut maintenant un cri du cœur. Et j'interpelle les intellectuels, les gens de bonne volonté, les hommes de la société civile. Il ne faut pas tomber dans la trahison des clercs. Vous savez, ceux qui savent écrire et lire, qui oublient le reste du peuple, parce qu'il y a une compromission généralisée, il y a une corruption terrible. Il faut que ça cesse, sinon c'est le pays qui va vers l'abîme.
Sofiane Djilali. Ils prennent conscience de cela avant que ça ne soit trop tard. Il faut que M. Bouteflika qui incarne le système et tout ce qui représente ce non-système s'en aille. On ne peut même pas dire il n'y a plus de Nebam dans le pays, c'est une fonda. C'est le désordre absolu, c'est le chaos. C'est des gens incompétents qui ne savent pas quoi faire avec le pays. Sinon, en profiter au maximum, remplir les caisses et faire profiter l'étranger. Donc, nous sommes dans les limites du tolérable et il faut que les Algériens prennent conscience de cela pour ceux qui n'ont pas encore pris conscience. Sofiane Djilali. L'opposition doit dépasser ses contradictions et doit mettre tous ses efforts en commun. C'est le travail qu'essaye de mener la CNLTD. Nous devons nous retrouver tous ensemble au chevet de ce pays malade, rendu malade par cette caste au pouvoir. Merci Sofiane Djilali, en espérant vous revoir bientôt sur notre chaîne. Anwar Haddam, je reviens vers vous. Comment voyez-vous la situation? Il nous reste à peu près environ 6 minutes. Comment voyez-vous la situation et quelle est votre vision et quelles sont vos propositions de façon concrète et synthétique? Oui, oui. Actuellement, franchement parler, il faut qu'on ait cette culture de dialogue, premièrement entre les différentes tendances au sein de l'opposition, parce que par exemple, l'exemple même que nous venons d'entendre, Sofiane Djilali, que je respecte beaucoup, et ainsi que son alliance, à mon avis, il se trompe d'adresse, parce qu'il faut, trancher une chose claire. Il faut comprendre qu'on a à la tête de l'État, non pas un handicapé physique, parce que ce n'est pas le premier président qui est handicapé physique de par le monde, mais c'est un handicapé mental. Il a perdu ses conditions mentales. Je défie ceux qui sont au pouvoir en place à Alger de permettre à Bouteflika de s'adresser au peuple algérien d'une manière cohérente, en direct, plus de 10 à 15 minutes. Donc il faut trancher sur ça. Donc il ne faut pas se tromper d'adresse. Nous voulons adresser le pouvoir en place à Alger. Il est grand temps de changer cette situation, d'arrêter cette situation qui nous mène vers le chaos. Même les partenaires algériens, on nous adresse aussi aux partenaires politiques algériens internationaux. Une Algérie chaotique n'est pas dans notre propre intérêt, comme bien sûr n'est pas dans l'intérêt du peuple algérien. Donc la question, c'est ça, la question de fond, mais comment pour se faire écouter? C'est pour ça que nous, à l'ANC, nous avons dit plusieurs fois que seule une mobilisation populaire réelle sur des sujets réels qui pourra faire bouger ceux qui sont en place pour qu'ils acceptent le recouvrement du peuple algérien de sa souveraineté. Une transition, une période transitoire ou une révolution passive, comment vous voyez ça concrètement? Donc, ce que nous avons dit au sein de l'ANC dans la dernière déclaration, et nous souhaitons travailler avec toutes les forces vives de la nation, il faut faire cette mobilisation populaire d'une manière civile. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'il faut qu'il y ait un contact direct avec le peuple et essayer d'éduquer le peuple, de nous éduquer tous sur les questions fondamentales en Algérie. Il ne faut pas les éluder. Il faut en venir afin que seule une masse populaire comme ça, diverse, pourra peser sur le rapport des forces vers un véritable changement. Et il faut inclure aussi dans cette discussion, dans ce débat national que nous allons bientôt annoncer au sein de l'ANC, il faut inclure aussi ceux qui sont en place, au pouvoir réel, c'est-à-dire les forces armées, les forces de sécurité. Il faut qu'elles comprennent qu'elles ont une très grande responsabilité. Elles ont été derrière ce coup d'État qui a mené, contre le choix du peuple algérien. Et le pouvoir actuel, c'est une conséquence de ce coup d'État de 1992. Donc, elle doit jouer un rôle important, mais pas en tant que leader, mais pour préserver la stabilité du pays et permettre au peuple de choisir sa voie. C'est ce qu'il faut. Donc, il faut arrêter de jouer avec les mots. On n'a pas de président en Algérie. On n'a pas des institutions constitutionnelles. Le Conseil constitutionnel n'existe pas, même selon les lois qui régissent ce Conseil constitutionnel. Il est à défaut. Donc il est temps d'arrêter ce jeu. Mais si Anwar Haddam, vous pensez que le régime en place
Notamment son côté militaire, ses généraux, une soixantaine à 70 généraux parmi les plus hauts gradés du pays qui ont des fonctions au sein de l'armée, qui ont des fonctions vitales au sein de l'armée. Vous pensez qu'ils vont accepter de lâcher le pouvoir et de négocier avec vous une éventuelle sortie de crise, une éventuelle transition vers un véritable état de droit? Non, la question c'est vous. Non, je ne dis pas nous. Il faut créer ce rapport de force. Parce que, évidemment, vu qu'ils ont le military might, ils ont le pouvoir militaire, donc ils ne vont pas écouter. Pourquoi ils vont écouter telle ou telle personne ou tel groupe? Exact. C'est pour ça que nous appelons à ce qu'il y ait un large front national. Toutes ces alliances, toutes ces coordinations, il faut qu'elles commencent à parler entre elles et adresser les sujets de fond. La question de l'armée, la question de la sécurité, quelles sont la sécurité nationale, la question de la religion dans l'État, la question du processus démocratique, la question du choix populaire et la sécurité, l'amn al-qawmi, la sécurité nationale, etc. Il faut commencer à parler. Une fois qu'on parle avec la même voix, les forces vivent au sein des forces de sécurité, des forces nationales, parce qu'il y a toujours des nationalistes. Il y a toujours des gens qui ont le sens nationaliste, même au sein de l'armée, au sein des forces de sécurité. C'est-à-dire que c'est un appel que vous lancez aux forces vives patriotiques au sein de l'armée, pas nécessairement aux généraux qui ont le pouvoir. Non, il est clair que ceux qui étaient derrière les massacres en Algérie, de part et d'autre, ne pourront pas participer à la reconstruction de notre pays. Ils ont une culture, ce sont des sanguinaires. Ils veulent sucer le sang du peuple algérien. Nous sommes en train d'adresser aux patriotiques, aux ceux qui sont, par exemple, ils se sont rapprochés à l'armée, ils sont rejoints à l'armée, les forces de sécurité, par sens de nationalisme. Ces gens-là doivent comprendre que l'Algérie, c'est-à-dire qu'il est temps de mettre un terme à ce pouvoir en place à Alger. Mais nous voulons d'une manière pacifique, d'une manière qu'il y ait un changement réel, effectif et global. Il ne s'agit pas de la présidence au lit. Il faut destituer tout ce système politique, mais sans créer un chaos. C'est pour ça qu'il faut accompagner ce changement. Alors, Adam, merci beaucoup. Merci pour ces éclaircissements, pour cette vision que vous venez de nous exposer. En espérant vous revoir bientôt sur notre chaîne. Cette émission est maintenant terminée. Salam alaikum, Mazoul Flaoun, à demain.